Hello les amis, voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dead Stranding Director Cuts sur PlayStation 5, les amis. Donc, moi je dirais de partir tout de suite et voir où on en est dans cette histoire bordélique et schkafatzbal, comme on les aime toujours. Allez, c'est parti. Fabriquer équipement. Alors, on se retrouve, les amis. Il me dit que je dois fabriquer un CCP. Allez, on fabrique. Vas-y, bien joué. On prend tout, bien sûr. Donc je pense que c'est bon. Je peux partir maintenant. Oui. Ah, enfin, ça m'a débloqué les amis. Dans l'état de marche. Allez au lieu que je vous ai indiqué et ouais. Bon, faux. Vous n'aurez aucun mal à le trouver si vous consultez votre carte et votre... T'inquiète, frère. L'interdiction des armes a été levée. Ok. Fouah, que j'allais tomber. Le chemin que vous tracez est utilisé par quelqu'un d'autre. Ah, ok, ça va, merci, c'est gentil. Quelqu'un a utilisé mon chemin, les amis. Chacun sa route, chacun son chemin. Et le bordel, c'est par là-bas. Oh shit, man. Non, tombe pas. T'es fou, toi, espèce d'andouille. Par où je dois aller, moi? Attends, parce que là, ça va pas le faire. On va voir, parce qu'il y a deux routes. Alors, il y a celle-ci, bien sûr. Et il y a celle-là. Destination. C'est pour quoi faire, ça? Destination site de construction de la boîte de stockage. Commande pour cette boîte de stockage. Et l'autre, c'est pourquoi? Oui, purée, ça fait toujours des mises à jour, ce jeu. Destination, centre de distribution d'Ouest Capital Relais. Livrer les 6 caisses matériaux rares. Ah ouais, merde, je dois aller de l'autre côté. Ok, je comprends mieux. Ce n'est point par là-bas que je dois aller. Ça c'est le 6 et ça c'est le 5. Je dois aller ici. Oh shit, man. Bon ben, on fait demi-tour alors. Bah où dois-je ? Oh purée. Placer un repère, vas-y. Plaçage de repérage. Je l'avais pas mis moi cette chose là, ben non. Apparemment c'est quelqu'un d'autre. Non ! T'es fou toi mec. Mais allez, remonte. Allez, c'est bon. Il se fout de ma face ou quoi ? Allez, reste là. Bien joué, c'est bien. Il y a quelqu'un ! On a mis deux. Non, elle me crie pas ! Il y a quelqu'un, l'autre. Un trophée pour y a quelqu'un, t'es fou ! Tu veux me faire défoncer par les chasse-balles ou quoi ? Avance ! Ici, il y a des mortadelles, enfin des mortadelles, des chasse-balles de première. Des méchants. Non ! En tout cas, c'est vrai qu'il est... On le gère mieux, les amis, hein, le... Le bonhomme, on le gère mieux. Parce qu'à un moment, c'est vrai que c'était impossible à jouer dans... Avec la PlayStation... sur PlayStation 4 qu'elle est sortie. Les mises à jour qu'ils ont fait, ça va. Franchement, ils ont... Oh, shit. Ah, merde! Non! Merde, ça va appeler les autres. Chier! J'ai pas d'armement! Saute! Merde, ils m'ont trouvé! Oui! M'en faut! Ben, je fiche le camp! T'inquiète, frère! Oh merde, il y en a là-bas! Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète! Je vais faire le grand tour! Merde, il m'a vu! Ah! Oh merde, il y a encore un truc ici! Ouais, mais oh! Sans âme, tu veux que je fasse quoi, moi? Merde, ils viennent par ici. Non, non. Ils m'ont vu. Oh shit. Cours. Ça fait un peu Metal Gear hein, quand vous regardez le son. Hein. Oh shit. Qu'est-ce qui me lance des bombes? Cours. Oh merde, mais ils sont fous. Eh, j'ai rien fait, moi, les gens.
Quoi, il se passe quoi, il se passe quoi? Ah, oui, ça va. Ah, merde, il pleut. Allez, allez-vous-en, allez-vous-en. Mais je cassais pas les balles à moi, j'ai rien fait. Et fait en plus, hein. Oh, shit, man. It's no good. It's no goody goodies. Ça... Ouais. Attends, parce que... Oh, purée, je suis en plein dedans. Elles aussi savent qu'il ne faut pas se frotter aux échoués. Ouais, ouais. Le problème, c'est que moi, je vais me frotter aux échoués, c'est ça le problème. Sam. Oui. N'oubliez pas que l'exposition prolongée aux précipitations endommage les caisses de marchandises. Ouais, je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Je suis à pied. Je suis à piétage. Malheureusement, je suis à pied. Eh, cours, hein, bordel. Attendez, on va regarder c'est par où. Effacer, repère, non, c'est bon. Allez. Moi, j'ai peur qu'il va y avoir des échoués ici. Il va sûrement en avoir. Je m'en souviens. Oh, madone, où est-ce que je dois aller? Si je fais le tour par là, c'est pas mieux? Ah, non, non! T'es fou! On va se faire mal ici. J'ai pas envie d'utiliser les cordes et tout maintenant. Si je peux descendre sur le côté. Ah ouais, c'est sûr. Doucement, bien sûr, t'inquiète. Oh là 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 là. Je n'aime pas cet endroit. Trop sombre, je trouve. Je ne sais pas si c'est la bonne route en tout cas. Et si je sais passer déjà. Bon, ben j'ai fait le con. Gare au con, je suis un vrai con. Gare au con. Je suis un vrai con. Wow. Ça, je peux le prendre maintenant ou pas encore? Je ne peux pas encore, en fait. Ça, c'est très important, les amis. On va dire que c'est des pièces d'échange pour... C'est la Kirai, en fait. Hein, qui va nous servir de pièces d'échange. Vous avez... il y en a plein, en plus. Hein. Ça, ça va nous servir pour faire les constructions et tout. Allez, hein, qu'est-ce que tu fous? Pas que ça à faire. Avance. Avançage, andouillage. Ah, une échelle. Est-ce que je peux monter par là? C'est gentil. Grimpe, andouille. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cries? Mais ça va? Oh, purée, c'est pas... Allez, vas-y, monte. Monte sans se tenir, le mec. Allez, on mitraille, on mitraille de lac, les amis. Allez, presque 100. Ben, j'espère que ça va aller, parce que, voilà. J'espère qu'il a pas mis ça à la con. C'est où? C'est par là-bas. Hmm. Ah bon, on est presque arrivé, les amis. Bah ben, ça va. Je pense qu'on a réussi à esquiver les Kirai, non? Enfin, les échouer. Par où dois-je? En douille. C'était plus facile que je passe par la route normale, quoi. Bon, en même temps, je pense que je suis en train d'esquiver tous les chasse-balles hein, en faisant ça. Oh shit. Il y a des chasse-balles, les amis. Je les sens, je les sens, je les sens. Oh shit, man. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ça, malheureusement, les amis, il fallait s'y attendre. Ok. Par où? Je vais par là-bas, ok. Le silence complet.
Le silence. Le silence règne. Oh shit, man. Okay. Donc ils sont par là-bas. Merde. C'est chiant, hein, ces casse-balles. Non. Non, prends-le. Arrête de bouger, hein. Ça va. On va gérer l'enroule, les amis. On va gérer. Allez, c'est bon, oh. Qu'est-ce qu'il fait? Purée, toute la route que je suis en train de faire pour rien. Quoi, la tempête, elle est passée? Elle est passée la tempête. Ah, ça serait bien. Eh ben non. On retombe dedans. C'est par où? Ok. Il faut que je prenne de l'eau. Il faut que je regarde où est-ce qu'ils sont et j'essaie de les esquiver. T'inquiète, pas grave. Vas-y, fais-moi avancer, tranquille. Ils sont où? Je te vois pas. Ça va. Pleure pas, petit, pleure pas, t'inquiète. On est presque. Non. Non. Ah. Mais merde. Eh, lâche-moi, ce casse-balle que t'es, va. Vas-y, saute! Saute! Ah! Waouh, les amis! Est-ce qu'on l'a passé? Oui. Merde, il est tombé en panne. Purée, j'ai failli me faire déwanner, les amis. Oh shit, man! Bon, ça va, on a réussi. Un petit coup de stress, les amis, c'est pas grave. Bébé a pas l'air au top. Ne vous inquiétez pas. Pour le moment, ses fonctions sont suspendues. T'inquiète. Elles peuvent être rétablies. Bah oui. Je peux effectuer l'entretien nécessaire au centre de distribution. T'inquiète pas, on fera tout ce qu'il faut. Là, j'ai envie de rentrer. J'en ai marre. Normalement, si je me trompe pas, ici, je vais pouvoir prendre... allez. La moto. Le niveau acceptable. Ah, quand ça la se lumière. Produit, il déclenche la production d'agents nocifs. Et dans ce cas, pour faire simple, le corps s'attaque lui-même. Ouais, je comprends. On parle alors d'autotoxine. Si votre bébé ne fonctionne pas correctement, arrêtez-vous dans une chambre privée pour voir si l'incubateur... Ah, j'arrive. On m'a dit de venir là, je viens là, moi. Ah, voilà la moto, enfin. On pourra la prendre après, les amis.
Quoi, elle est en panne ou quoi? Allez, laissant. Allez, donne à soir, 98. Merde. Allez, Bridget Jones. L'usage des armes est interdit. Ici, tout commence, les amis. C'est ici le lieu principal où tout va commencer. Ce relais va nous servir à 2000%, les amis. C'est l'un des relais les plus importants du jeu, quoi. Personnellement. Vu ma façon de jouer, quoi, vous voyez. Livrer tout ce qu'il y a à demander. Là, là, là. Ok. Partir vers l'ouest. Livrer les 6 caisses de métaux rares. J'espère qu'ils sont pas trop abîmés. Et tout le bordel que j'ai foutu. Les infestations m'ont beaucoup. Ouais. Sam Bridges, de la deuxième expédition, c'est ça? Le type qui est dans le réseau qui râle à lui tout seul, quand il n'est pas occupé à faire ses livraisons. Et alors? Qu'est-ce que vous nous avez apporté de bon, faites voir. Ta sœur. En douille. Ça alors, vous êtes surpassé. Bien sûr, bah écoute. Vous avez dû traverser le territoire échoué pour venir en plus, non? Non, bah j'ai pris la... l'autre route. Résultat, voyons voir. C'est-tu S? Bien sûr! Ça fait plaise. Ça fait vraiment plaisir, ça. Donc moi, je suis en train d'évoluer en divers et en volume de livraison. C'est bon. Bon, il est temps. Oui. Ça vous ennuierait de nous connecter au réseau? Non. Vas-y. Cher Potter. Ou Harry Potter, Bridget Jones. Bam, explosion. Ah, explosion. Voilà, on est connection, les amis. La chose qui est importante, qu'on n'a pas utilisé de d'échelle, ni de corde, ni d'autre chose. Enfin, un petit peu la gourde, mais c'est pas trop grave, la gourde. On est obligé à l'utiliser, bien sûr. Donc, voilà, nouveau lieu établi. Membre de UCA ajouté. Bonjour. Ouais. Merci d'avoir intégré de nouveaux membres au UCA. T'inquiète, frère. Donc, ça, c'est pas très important. Alors, membre de... Ok, nouvelles données d'entretien acquises. Pas de problème. Membre du UCA ajouté. Pas de problème. Ah, tout ce qui est ici, Bourdalage. Cette zone est désormais connectée au réseau Kiral. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Sur le réseau Kiral. Et avec Benjamin Hancock. Pour notre imprimante Kiral, on peut produire l'équipement dont vous avez besoin. Dites-vous que c'est notre façon de vous remercier. Allez, partez vers l'ouest. Et continuez comme ça. T'inquiète. Bien, le centre de distrib est relié au réseau. Ouais. Sam, si vous voulez bien, emmenez votre bébé dans une chambre privée et connectez-le. Oui, mais c'est ce que je vais faire, espèce de casse-balle. Qui sont stressants, purée. Allez. On rentre... Non, qu'est-ce qu'il fait? On rentrage dans la chambre. Privée. Comme ça, on va faire réparer le Bibi. Moi, je l'appelle Bibi. Eux, ils l'appellent Bébé. En italien, c'est Bibi aussi, si je me trompe pas. C'est pour ça que je l'appelle Bibi. Man, vous êtes là? On se dépêche. Je suis là, Sam. Enlevez la capsule et branchez-la à l'incubateur. Ouais. Vas-y, Sam. Fais-toi plaisir. Et dépêche-toi, quel an. Quel an, douille. Voilà. C'est fait. Très bien. C'est juste un pic de stress passager. Ça disparaîtra très vite si on le remet dans le ventre de sa mère. Dans le ventre de sa mère ? Elle est au service de soins intensifs à la capitale Relais. En mort cérébrale, bien sûr. Sa pseudo-mère, vous voulez dire? Tout à fait. Son ventre agit comme un catalyseur qui facilite la connexion entre le monde des morts et le bébé. Okay. Et c'est grâce à cette connexion que lorsque vous vous branchez au bébé, vous bénéficiez de la capacité de détecter les échoués. Hein? J'en doute pas. Ces capsules ont été conçues pour reproduire les conditions à l'intérieur du ventre de la pseudo-mère. Il est indispensable que les bébés s'y croient en permanence pour pouvoir fonctionner correctement.
Ouais. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas maintenir ces conditions sur le long terme. C'est pourquoi nous devons mettre à jour les données environnementales de façon régulière, en les synchronisant avec celles d'une pseudo-mère via le réseau Kiral. Donc du coup... Vous voyez ? Ah, voilà, ok, maintenant il récupère, voilà. Donc, pendant qu'on parle, la capsule est en train de se synchroniser avec la pseudo-mère dans la capitale relais et de reconfigurer ses paramètres en fonction des dernières données. Mais que vous êtes intelligent. Replacer votre bébé de cette façon dans le ventre de sa mère devrait réduire temporairement son niveau de stress. Après tout, techniquement, c'est là qu'il devrait être. C'est sûr. Il a des émotions. À ton avis. L'autotoxine devrait s'installer plus lentement à partir de maintenant. Quelle phase de qui fait l'autre. Et surtout, ne perdez pas de vue que les bébés ne sont que de l'équipement. Essayez de ne pas vous attacher. T'es fou, toi, c'est pas des équipements, un simple équipement. Ils sont retirés du ventre de leur pseudo-mère. Un procédé qui les rend particulièrement incontrôlables et prédisposés à l'échec. À ce jour, aucun des bébés n'est resté en service actif au-delà d'une année. Est-ce que t'es tombé sur les mauvais? Moi, j'ai le meilleur. Avant que cette expédition ne touche à sa fin. Et après, il n'y a aucun moyen de garder mon bébé en vie. Comment vous expliquer ça? Il y a encore tellement de choses que nous ignorons à propos des bébés. Appelez-le Bibi, j'aime mieux Bibi. Et que nous récupérerons Bibi. Des données, peut-être que nous aurons des réponses. Ouais, t'inquiète, frère. En fait, vous m'aviez demandé de regarder s'il était possible que les échoués réagissent à votre sang. Et j'en ai parlé à Hartmann. On devrait bientôt avoir vos résultats. Enfin bref, allez vous reposer. Votre bébé et vous êtes complètement épuisés. Ok. Bonne nuit, Sam. Bonne nuit à toi, Andouille. Bon, maintenant il faut que je me repose. Le petit va se reposer aussi. Nous, on va faire ce qu'il y a à faire. Bon, il met ses doigts dans la bouche, le petit pouce. Allez, on dort, Mauge. On a tenu la lumière et on s'endort. Good night, Sam Porter. Un petit rêve pour dire deux. Falling down. Long the bridges is falling down. My first lady. Sam. Oui. Est-ce que tu me vois? Non. Comment ça se passe là-bas? Je ne suis pas surveillée. Je ne suis pas enchaînée. Je ne peux pourtant pas partir. C'est bizarre quand même, hein? Mais si tu continues à établir des connexions, si tu arrives à me trouver, on pourra rentrer dans l'Est. Rentrer chez nous. On va tout faire pour... Je te remercie. Y'a pas de Je quoi. Je suis sincère. T'inquiète, frère. Moi, j'appelle frère tout le monde, même. Eh, frérot, tu vas te calmer déjà. Il y a de moins en moins d'habitants dans les villes de nos jours. Plus personne ne veut fonder une famille. En même Mais temps, les avec êtres le humains comme ne il sont va. Pas faits pour vivre seuls. Ils sont faits pour se rassembler, pour s'aider les uns les autres. Et si nous, en tant que peuple, n'y parvenons pas, si nous n'arrivons pas à nous reconnecter... On va se tirer une balle. Alors, c'est sûr, il arrivera ce que Bridget a dit. L'extinction. Arrête. L'extinction de voix. Reconstruire l'Amérique ne nous débarrassera pas des échoués. Tant qu'ils seront là, on n'y échappera pas. Mais au moins, on aura de l'espoir. Mais va-t'en, toi, ton espoir. Ne touche pas. J'attendrai que tu viennes, Sam. Ok. J'attendrai le jour et la nuit, j'attendrai ton retour. J'attendrai. Que tu viennes me chercher. Viens vite me retrouver. T'inquiète. Wow. Ça m'a fait peur. Tout ça pour... Tu m'as réveillé que pour ça? Allez, va te coucher. Bah. Bon. Alors.
Vas-y, la musique. Sam. Oui. Ici Hartman. Qu'est-ce qu'il y a? Puisque vous êtes réveillé, ce serait une bonne idée de faire un brin de toilette. Bien sûr. Du coup, ça ne vous dirait pas une petite douche? Tu me casses les balles, toi, espèce de pervers. Et aussi pour mes recherches, à vrai dire. Allez, donne-moi l'option. Je vais me faire un bain. Enfin, une douche. Un douche-aigle. On va se doucher-aigle. Ah. Voilà qui se douche. Oui. Je pense que le mot le plus casse-balle du jeu, c'est Sam. Et alors? Ok, t'inquiète, frère. Fais qu'est-ce que tu as à faire. Deux cobayes qui ont le Dooms. Tout le monde chez Bridges, Mama et moi. Les résultats jusqu'ici ont été peu concluants. Mais vous possédez d'autres qualités particulières en tant que rapatrié. Ah ben ça. Je dois bien avouer que je suis plutôt optimiste. Ça m'étonne pas, ça. Des armes. Voilà. Prenez cet échantillon avec vous. Ça c'est pour me guérir. Si l'occasion se présente, essayez de l'utiliser sur un échoué. Je serais curieux de voir sa réaction. Qui sait, ça vous sera peut-être même utile. J'ai trouvé un vieil article scientifique qui détaille les effets des fluides corporels des gens comme nous sur les échoués. Et ce n'est qu'en récupérant ces documents qu'on pourra exhumer les connaissances passées. Tu m'as dit que t'as lu. Pas juste sur le Death Stranding, mais aussi sur les propriétés uniques de votre corps, et même sur le Dooms dont nous souffrons. Ça va. Il reste peut-être un espoir pour l'humanité. Sam, je n'ai aucune envie de reconstruire l'Amérique. Moi, ce que je veux, c'est retrouver notre passé. Pas tort. C'est bientôt l'heure. Vous établissez vos connexions qui serviront à rien, et après? Vous comprendrez pourquoi il a dit qu'il y a le compte à rebours. Vous allez voir pourquoi il y a un compte à rebours, les amis, par la suite. C'est très intéressant, Hartman. Sam. Oui. Désolé de vous ennuyer pendant votre pause, mais je me suis dit que ça vous intéresserait. Ça vous aidera peut-être même à vous détendre. Nous avons reçu un certain nombre de messages à votre intention. Bien sûr, je ne les ai pas lus. Mais il me semble que la plupart viennent de vos clients. Regardez s'ils contiennent des informations utiles. Vous pouvez accéder à votre messagerie grâce à vos menottes, ou bien au terminal de votre chambre privée. Ça Il y a va. Autre chose dont je voulais vous parler. Quoi? Le réseau chiral nous donne la possibilité de reconquérir notre passé. Ça, je le savais. Les données que l'on pensait perdues à jamais des quatre coins de l'Amérique peuvent être... Elle est encore active, bien sûr. ...de documents fragmentés. Nos archives sont pour l'instant encore en chantier, évidemment. Et à mesure que nous étendrons le réseau et intégrerons plus de stations et de villes, nous tout évoluera, je sais. D'informations, comme les journaux et rapports d'expéditions précédentes, par exemple. Tout ce qu'elles ont envoyé a été perdu quand la ville relais centrale a été détruite. Mais nous avons déjà réussi à en récupérer une partie. Vous pouvez y accéder sur les terminaux des chambres privées ou sur vos menottes. Il vous suffit de sélectionner Archives. C'est une lecture passionnante. Alors, on peut quitter, on peut aller voir, on va activer le terminal pour voir ce que ça dit. Ça va pas me dire grand-chose, bien sûr, parce que voilà. Non, il me dit rien. Enfin, ouais. Email. Ah, on va regarder les emails. C'est qui, ça? Benjamin Hancock. Mauvaise nouvelle, merci d'avoir livré un matériau rare, ça, mais... Hein. En fait, ces mails-là, oui, elles sont importantes, mais pas vraiment encore mieux que le site. Ok. Comme ça, on aura lu. Enfin, on aura lu. On aura fait un débrief de ce qu'on a. Ah, parce que là, ça, je vais péter les plombs avec toute cette lecture, moi, Bordalaïch. Déjà que j'arrive pas à lire. Si tu mets toute cette lecture, moi, je vais devenir fou. Full dingue. Full dingue, fou dingue. Est-ce que je peux le prendre, le truc? Ou je l'ai déjà pris? Bon, ben, je pense qu'on peut se barrer, hein. Allez, on se barrage. Cinématique des familles. Connecte-toi au Bibi. Somme.
Porter. 3, 2, 1, go. Et pourtant un accord, vous m'aviez dit que vous feriez tout ce qui était en votre pouvoir pour sauver bébé. C'est ça. Mais on ne peut pas laisser partir votre fille. Faites-moi confiance, c'est mieux comme ça. Dit la femme au masque qui ne fait que me mentir depuis le début. Eh oui. Pour le moment, c'est un peu chinois pour vous, les amis, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Il faut le temps, il faut le temps. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, juste par curiosité, comment va votre bébé en ce moment? Bien. Avant de vous répondre... Quelque chose ne va pas? Quand je branche mon bébé, je vois des choses. Quel genre de choses? Une sorte de visage, quelqu'un que je connais pas et qui m'appelle. Il y a aussi une pièce... avec des gens qui parlent, mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. C'est l'effet de contamination. Je ne vous ai jamais parlé de ce phénomène. C'est le fait de confondre les souvenirs du bébé et les vôtres. En d'autres termes, ce sont de faux flashbacks. Je vous explique. Après environ 28 semaines de gestation, je veux pas. Le bébé est placé sur sa pseudo-mère et placé dans une capsule. On va écouter. Soyons pour les gens qui connaissent ça pas. Ça se passe avant la naissance. La procédure interrompt instantanément sa croissance. Il n'a beau avoir que 28 semaines, ses systèmes sensoriels sont déjà suffisamment développés pour enregistrer les stimuli extérieurs. Il est par conséquent largement capable d'encoder ces informations sous forme de souvenirs, qui peuvent parvenir jusqu'à vous à travers votre connexion. Alors, qui est l'homme que j'ai vu? Sûrement quelqu'un de l'équipe médicale, ou alors un technicien des bébés. Quelle importance. Ça fait déjà un moment que ce bébé est en circulation. Il est passé entre de nombreuses mains. Comment je pourrais savoir qu'il a particulièrement marqué? Parce que c'est vous l'expert. Il n'y a pas d'expert, Sam. Les bébés ont été développés il y a des dizaines d'années en secret. En fait, ce ne sont ni plus ni moins que des boîtes noires. On s'en sert, mais on est loin de les connaître parfaitement. Ça, tu m'étonnes pas. J'ai bien essayé d'en apprendre plus, vous pouvez me croire. Mais les archives ont quasiment toutes disparu. Si je trouve quoi que ce soit qui les concerne, je vous mets au courant. Vous avez ma parole. Sam. Oui? Consultez le terminal et passez la liste de commandants en vue. Alors, on va aller voir le terminal. Mais moi, je dirais d'arrêter l'épisode ici, les amis. On continuera l'émission par l'autre épisode, tout simplement. Donc, un grand merci d'avoir suivi cet épisode, les amis. J'espère que vous avez aimé. Donc, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez ma vidéo, partagez ma chaîne. Activez la cloche pour recevoir ma dernière vidéo. Commentez, portez-vous bien. Un grand merci pour tout, vous êtes géniaux, les amis. Désolé si je ne suis pas présent tout le temps. J'essaie de le faire au plus que je peux pour tout le monde. Donc, je réponds pas tous les jours aux commentaires comme avant, mais je réponds quand même. Donc, vous inquiétez pas, je serai là quand même, même si c'est un jour après ou deux jours après. Donc, voilà les amis, un grand merci pour tout et à très bientôt. Ciao, ciao !